Salut à tous, c'est YouTube mes amis. Alors j'espère que tout va bien, hein, que ça va bien pour vous. Même si on est ensemble pour un deuxième épisode de BioShock. Hein. Une petite info ici en passant, justement, ces épisodes de BioShock et de Skyrim seront seront moins réguliers que ceux de Minecraft, hein, car on est vraiment la fin de saison de Minecraft Extreme. Hein. La saison 1 est terminée, quoi. Il n'y a plus que quelques épisodes à trouver quelques cactus, mais bon, on va pas parler de Minecraft, vu qu'ici on est dans BioShock. Alors, je bois un petit coup juste avant, hein, pour me mettre en forme. Hein. Jamais d'alcool. Hein. C'est pas bon pour la santé. Je rigole. Allez, on y va. Alors, on a un objectif apparemment. Hein. Objectif. On a une façon de parler. Alors on va dans M, on va regarder ce qu'il y a. Belle celle qui clignote là. Hein. Ma petite sœur, bien sûr. Alors là. Ah c'est ici, c'est juste. Voilà. Parce que d'un jeu à l'autre, à chaque fois que tu cliques comme ça, hein, c'est un peu spécial. Ça c'est tous les messages. Écoutez, on va pas s'attarder là-dedans. Hein. On ferme ça. Et on y va comme à la bourrin. Moi, dans ce jeu-là, j'aime bien la réflexion. Enfin, je vais pas mentir, ce que je veux dire, j'allais faire le bourrin, mais c'est pas vrai, j'aime bien quand même un peu réfléchir, mais j'aime bien surtout l'action. Alors, on va pas trop réfléchir, on va bourriner dans le tas, c'est parti, hein, comme ça. Boum! Et là, je viens d'user 2 litres. Parce que c'est fou comme l'essence qu'on voyait à gauche, en bas. Hein. Le carburant de la foreuse descend vite. Donc cet épisode ici je le connais, le début en tout cas, un peu, parce que j'avais déjà été jusqu'ici, parce qu'on est vite là, hein. J'avais déjà été jusqu'ici pour des tests, hein, des tests vidéo, graphisme, et tout le toin, hein. Allez, on y va fouiller, hop, $40, je suis riche. Mais qu'est-ce que c'est? Un casier. Mais on sait l'ouvrir un casier, hein. Je vais l'ouvrir. Ah ah! Qu'est-ce qu'il nous dit? Appuyez sur L. Alors on va écouter, hein. Ce message est pour ma fille, Eleanor. Bientôt tu naîtras. Et Rapture sera ton foyer. Tu seras élevé comme je l'ai été dans le. Un instant. Je vais vous remettre en audio les voix. La musique non, volume effet 4, bon on va le passer à 5, je pense que vous m'entendez bien. Si pas on fera un petit peu, on va laisser à 6, bon quoique. Allez un petit 7. Appliquer, retour, et on reprend. De servir l'intérêt général, guidé par la psychosociologie. Le potentiel de cette cité est immense, Eleanor. Cependant, nos croyances ne sont pas les bienvenues ici. Tu grandiras dans la souffrance. Mais vois-tu, Eleanor, il ne peut y avoir de révolution sans sacrifice. Montrons-nous patiente avec elle, et un jour, Rapture sera nôtre. Rapture sera nôtre. Je sais bien qu'ici, en sortant, il y a... Utiliser, j'adore. Un petit caca. Hop, voilà. J'ai fait la grosse commission, alors on y va. Je vais vous laisser découvrir, il y a quelque chose ici qui m'attend. Ah ah! Espèce de... Tiens! Tu disais? Ah, tu veux me donner de la terrine et 3 dollars? D'accord, je préfère ça. C'est pas que j'aime bien taper les femmes, je déteste ça, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, t'es dans un état bizarre, et regarde tes pieds, franchement, ils sont vraiment... Enfin voilà, je préférais taper en premier, quoi. Hein. Alors on y va, on continue, il y en avait un dans l'eau là que t'es en train de souder, c'est tout à fait normal ça. Hein. L'an 2012, hein, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et merde, je suis à fond. Bah on va la laisser, on reviendra en arrière pour en reprendre si on n'a pas assez. Alors ici, parce que je... Des semaines que je n'ai pas eu une goutte d'Adam. Voilà. Arrête un peu, princesse. Je préfère pas spoiler, mais... Pleurnicher auprès de l'ange si t'es aussi désespéré. Pourquoi pas après tout? Si je fouille encore ne serait-ce qu'une poubelle, vraiment je vais. Arrête de chuter. Tiens. On pisse dans l'eau. Ici le docteur Sophia Lamb. J'ai un message. Ah, c'est gros bobo ça. Souvenez-vous,
Vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas votre chef, non. Je suis la mère de tout Rapture. Une mère comme ça, je m'en passe, ça, ma belle. Je sais pas si je m'étais cassé la tête à les frapper à la foreuse, et si je me suis dit, l'eau, bon conducteur, plus c'est en logiquement mon métier. Et j'ai bien fait, hein. C'est vrai que ils ont une tête vraiment affreuse, quand même. Chromosome, grosse brute. Voilà, donc il m'aurait bien attaqué. Par contre, qu'est-ce qu'il cherchait dans l'eau? Bon, c'est pas grave. Et si je change, je vais faire bien buter. Parce que je connais rien du tout, hein. Alors, vous êtes déjà en train de rire, mais c'est pas grave, justement. Je connais que dalle, voilà. Et j'étais arrivé ici, la fois passée. Ou à la limite, je pense que j'avais avancé encore un petit peu. Donc, on prend ça et on va l'écouter ensemble, hein, comme d'habitude. Hop, c'est parti. Tant d'années ont passé. Et me voilà de retour à Rapture. Les petites sœurs que j'ai sauvées ont grandi. Elles m'ont oublié. Après les horreurs que je leur ai fait subir, c'est une chance que d'avoir quitté leurs souvenirs. Mais voilà qu'aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des petites sont englouties par la mer, kidnappées. C'est pour ça que je suis revenu. Je sais que quelqu'un ici continue mon œuvre et forme de nouvelles petites sœurs. Je dois l'arrêter, même si cela veut dire mourir ici. Petite sœur... Ah, pardon, désolé, c'est vrai que vous êtes là. Bon, on va d'abord... Je le sens vraiment pas trop d'aller par là, mais c'est pas grave. On va d'abord fouiller un petit peu, regarder un petit peu cet endroit, hein. Tranquillos. Tranquillos. Aidez-moi, je n'ai pas au moins. Donc il me dit c'est par là. Ok, donc on va passer par là. Je commence à bien flipper parce que ici, voilà, voilà. À partir d'ici, les amis, que je dise pas de conneries, non, je connais plus. Donc là, on va. Toi, tu bouges pas, toi, parce que je te jure, je suis champion de faire une corne de ces conneries. Fouiller. 8 rivets et 15 dollars. Mais vous n'êtes pas riche, hein, vous, hein. D'accord. Et c'est en ramassant ça que je vais laisser la porte se fermer. Ok. Mais moi je prends moi ça. C'est parti les gars. On va vaporiser. Salut mec. C'est parti. C'est un scandale. Oh. Mais tu veux... Non non c'est pas un scandale. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Ah, pas gentil avec moi toi hein. Tu crois quoi? T'as l'arrivé tranquille, commence à me défourailler et que j'allais me laisser faire, hein. C'est quoi rester là, crever, bande de crevards? Moi je vais juste descendre en bas pour voir ce qui se passe. Ah, 3 sur 11. Rechargez votre arme, je veux bien. Voilà, 12 fois 2, donc 24 balles apparemment. Qu'est-ce qu'on fait les amis? On garde ça en tendant? Allez, ça me plaît. Je garde cette arme, on va la tester ensemble. Parce que j'ai vu qu'il y avait des cartouches un peu plus haut. Comme je sais pas si elles vont disparaître ou quoi que ce soit, on va déjà les chercher. Hein. Malgré que ça me fait bien paniquer ici. Hein. Bon, si je fais un petit cri de fillette, vous inquiétez pas. Hein, ça va aller, hein, je prendrai un petit médicament et tout va passer. Hein. Non, ça va. On ne prend pas un tox. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ah, mais regardez, franchement, comment voulez-vous que je le laisse en vie? Enfin, ça tombe, le mec, il m'aurait rien fait, mais... Voilà, quoi. Je préfère être sûr. Je lui laisser une chance, en plus, et m'a tiré dessus, l'enfoiré. Donc... Arc électrique, ça va, c'est parfait. Enfin, le bleu, on va appeler ça le mana. Hein. Je pense pas que c'est du mana. C'était indiqué, mais je connaissais le nom, mais comme... Je vous dis, pour l'instant, je fais du Minecraft, je fais du Skyrim. Je pense aussi à ma saison 2, parce qu'il faut y penser, ça arrive. Hein. Je suis pas obligé de la faire absolument plus vite possible, mais bon, j'ai pas envie d'attendre non plus 6 mois avant qu'elle sorte, donc je commence à penser doucement. Hein. Et aussi, je regarde un autre jeu, qui sera une petite surprise, pardon. Hein.
Et après, je ferai un choix entre les trois jeux-là. Donc c'est certain qu'il va rester Minecraft, c'est sûr, hein. Donc Minecraft, la saison 1, bien sûr, la fin, et la saison 2. Comme ça, moi, je vous informe en même temps. Et aussi, ce qui en est sûr, c'est que... Je vais attendre de vous expliquer un peu. Ce qui en est sûr, c'est que... on va continuer sur Skyrim et BioShock. Ça, je vais peut-être choisir un des deux, quoi. Ce qui veut pas dire que je vais abandonner. Au contraire, je veux dire, je vais plus me centraliser, par exemple, si vous préférez mieux, admettons BioShock, ben je vais plus me centraliser sur BioShock et faire, par exemple, punaise, et faire, par exemple, disons. Tous les 3 jours un épisode de BioShock et tous les 4 jours un épisode de Skyrim, quoi. Alors, bien sûr, quand la saison 1 sera finie, ben, en attendant la saison 2, on fera plus d'épisodes, hein. Enfin, on fait ça tranquille, on n'est pas à la pièce. En plus, au moins, vous avez le temps de regarder tranquillement les épisodes, comme ça, ceux qui ont pris un peu de retard, ils sont pas non plus trop dépassés. Je pense que ça vous plaît à tous, donc y a aucun souci. Alors on écoute cette petite bande vidéo et on va marcher, hein, on va pas non plus toujours arrêter. Je vais survivre à la descente, mais j'y suis enfin. C'est incroyable. Rapture. C'est ici que cette chose a emmené ma petite. Du peu que j'ai entreaperçu depuis le sous-marin, la ville est en ruine. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu quelques lumières. Et quelques ombres filantes aussi. Bref, je parle pour ne rien dire, ou pour me rassurer peut-être. En tout cas, j'espère que si je trouve ce docteur Lamb, je retrouverai ma petite Cindy. Pistolet arrivé, ça m'intéresse ça. Cadavre. Enfin, il me faut paniquer parce que, dans généralement beaucoup de jeux, les cadavres... Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, je fouille juste en vitesse. Et si toi. C'est comme déchiré de l'intérieur. Probablement le résultat. Qu'est-ce que c'était? Je me tuerai deux fois s'il le faut. Pourquoi tu veux me buter, hein? Et y'a pas un gentil ici. Pas possible ça. Vous voulez tous crever ou quoi? Recharger. Hop. Apparemment quand je recharge, j'espère qu'il balance pas les dernières cartouches qu'il y a dans le truc, quoi. Donc les cadavres, alors là on va aller voir en vitesse s'il reste pas un... Pardon. S'il reste pas un petit. Ben voilà. Justement, eau douce à boire. Vous savez, faut bien, trois fois, bien. J'ai fait un petit rap. Faut bien fouiller, hein, ces jeux-là. Je connais, hein, généralement. C'est là qu'on trouve les ressources, la thune, et c'est ce qu'on a besoin, hein. Et c'est ce que je vais faire, surtout, c'est après aller sur Internet, et une fois que je pourrais plus me pencher sur BioShock et Skyrim pour avoir plus d'informations, hein, malgré que vous êtes très sympa et généralement, hein, dans les commentaires parfois vous me donnez quelques données vraiment très très utiles et c'est sympathique, quoi, hein, ça fait plaisir de vous avoir suivi comme ça. Donc je vous encourage encore à continuer, bien sûr, à me suivre, hein, je vais pas vous dire le contraire, ça fait plaisir, ça motive et voilà, quoi. On travaille pour quelque chose au moins, hein. Mais j'ai pas envie de tous vous buter, moi, merde. Ah non, c'est la fifi à son papa qui me fait vraiment bien paniquer, mais c'est pas grave. Arc électrique, donc j'aurai une lampe peut-être, alors. Ah, cinématique, les amis. Quand on joue avec ce joujou, là. Et tu fais vraiment flipper, tu sais. Vas-y, moi une dose. Mon dieu. Mais si j'ai le temps, je pense que c'est sur ces images certainement qu'on va se laisser, les amis. Toi, tu me fais vraiment bien paniquer.
sais pas comment ce qu'on fait pour... Ah ben les gars, j'ai bien chié dans mon froc. Désolé, j'ai bien flippé ma race. J'espère qu'il est bien foutu le camp ce truc là, mais je suis certain qu'il m'attend encore plus loin. Alors et moi il me faut de la life, faut qu'elle remonte là. Oh, appuyez sur trousse de soins. Ah d'accord, c'était réel, j'étais con. On va attendre pour voir si en fouillant tranquillement la life va parvenir. Je fais peut-être une connerie, hein. Mon F5, y a pas une sauvegarde rapide, non? F4, F2, non plus, F6, F7, non. Donc c'est pas grave, on va... Je crois que les sauvegardes sont automatiques, hein, à moins qu'il faut regarder, je crois que c'est F12 aussi. Je pense que c'est F12. Mais c'est malin parce que... Je l'ai utilisé F12 pour une touche de mon logiciel de capture, mais c'est pas grave, on va. Je pense pas qu'on risque encore grand chose ici. Parce que généralement, quand c'est comme ça, il se barre et on les rencontre pour le final par après. Alors là, ça s'ouvre pas, d'accord. Donc on va bien fouiller ça tranquillement ensemble. Hein. Récupérer carburant foreux. Eh, je veux bien, ouais, mais donne-moi-en du carburant foreux. Ah, d'accord, elle est pleine. Merde. Au moins, on est sûr qu'elle va être pleine, non? Oh, j'en ai un fond 18. Je pense pas que c'est la meilleure arme, de toute façon. Franchement, l'arme que j'ai, je préfère... Enfin, je sais pas, j'ai plus confiance à l'arme-là que mon truc. Regardez, déjà là on a quelque chose de sympathique. Et le mec, on voit un peu de sang. Il s'est barré là-bas dans la forêt. Ah, des rivets. Ok, donc c'est carrément des clous qu'on balance. Recharger, ça va, c'est à fond. Je pense que les grosses armes, on va se les garder pour les boss. Hein. Apparemment, c'est le meilleur à faire. D'accord, c'était réel. Je pense qu'il nous attend encore en forêt, les amis. Hein. L'arc électrique il est remonté, ça va, c'est bon. Parce que quand j'ai monté là-dessus, ça puait. Il m'a fait un son bizarre. J'ai bien paniqué. Vivre champ, qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors on va fouiller, on va faire ça ensemble. Hein. Tranquillement. Hein. On va se prendre des boîtes de conserve et tout, tout team. D'ailleurs, faudra que je regarde à quoi ça sert, ça, hein, sûrement pour de la vie, ou... Ça doit sûrement, certainement me servir, hein. En vous laissant, je vais certainement... fouiller mieux ça. Pistolet arrivé, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'accord, mais j'en ai deux, alors. Non, apparemment, non. Ça, c'est bon, ça, les amis. Ça, c'est bon, ça. D'accord, pour l'instant, j'ai deux armes. Vous voyez, on voit ici, au sélecteur en haut, hein, en haut de l'écran. Donc, on va garder l'arme principale, hein. Pour pas tirer comme un con et user nos munitions. Et ici, je suis désolé, mais il faut absolument, moi, je suis comme ça, absolument qu'on fouille le moindre rond-point, hein. Regardez, vous voyez. C'est comme ça qu'on récupère des choses et... Ah, qu'est-ce qui marque là? D'accord. Ok, là y a rien. Là y a rien non plus. Là, je pense qu'on a tout fait là-bas dans le coin. Y a pas une connerie dans le seau, non?
Derrière le bar, on n'a pas encore été, hein. Il n'y a pas un escalier bizarre, là. Ok. Ça en a été. Ça, c'est quoi ce bordel? Non, il semble bien qu'il y a un escalier. Voilà, ça aussi. Voilà. Eh bien, c'est sur ces belles petites images, les amis, que je vais vous laisser, hein. Alors, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne après-midi, et une bonne soirée, et même une bonne nuit. Qui sait si vous me regardez tranquillement dans votre lit, juste avant de dormir, hein. J'espère que ma douce voix va vous bercer tranquillement vers le sommeil, hein, profond. Désolé, c'est mon état impulsif philosophe. Alors, je vous remercie bien, les amis, de m'avoir suivi encore une fois, hein. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, tout ce que vous voulez. On se retrouve dans l'épisode 3 de BioShock ou encore dans Minecraft ou dans Skyrim. Merci à tous. N'oubliez surtout pas, cliquez bien, cliquez j'aime et cliquez YouTube. Hein. Salut!